Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, Sandar par contre elle ne sait pas ce qu'elle fait là, elle ne sait pas du tout pourquoi elle est là. C'est un peu facile comme concept mais bah c'est nouveau sur la chaîne. Les gens de plus en plus nous disent voilà comment on peut vous envoyer des trucs, comment ça se passe, Dominique. Donc c'est une vidéo, on reçoit vos courriers et on les ouvre. Oh, trop donc, bien. Mais oui, donc c'est cool et donc c'est un concept forcément qu'on va reproduire plusieurs fois en fonction des envois forcément. Un nouveau plan dans le canap, un petit peu à la cinéma post-it, mais là avec le petit café, on est en détente avec vous. Pour ce premier numéro, nous avons un seul envoi. Et oui, une personne nous a envoyé un colis. Je me suis dit, tiens, autant faire la surprise à Sandar. Alors effectivement, l'adresse de la S Family où vous pouvez envoyer les courriers, adresse qui s'affiche ici, c'est bien au nom de Saran et Sandar. Par contre, vous n'hésitez pas sur le colis, si besoin, à marquer, par exemple, si c'est pour Nono. Parce que comme ça, on pourra inviter, du coup, les autres membres de la S Family qui sont concernés à cette petite vidéo. Tout simplement. Pour ce premier colis, c'est du Saran et Sandar. Donc, je crois que c'est nous, les deux outils de la vidéo. Oh. On aura dans chacune des vidéos pour ouvrir vos colis, pour ouvrir vos lettres. Et pour scarifier Sandar. Nous avons reçu qu'un seul colis. Mais je tenais à faire une vidéo déjà parce que l'expéditeur voulait absolument qu'on fasse cette vidéo. Vous l'avez vu, elle sort là, juste avant l'ouverture du samedi. Donc vraiment, il fallait la faire au plus vite. Ok, on l'a fait. Et en plus, parce que c'est pas petit petit. La personne qui nous a envoyé ça, merci beaucoup. Mais faut arrêter un peu les conneries. C'est pas... Ah oui, en plus. C'est pas petit. Voilà ce qu'on nous envoie. Autant vous dire que le truc fait la taille de Sandar. Et c'est bien marqué Saran et Sandar dessus. Je vais l'ouvrir. Ça a été emballé de ouf. Alors merci encore. Merci beaucoup à toi. C'est adorable. Ah ouais. Alors attendez, j'essaie de vous montrer quand même. Vous n'êtes pas obligé de nous faire des envois comme ça, je vous rassure. Une lettre comme l'a fait ZRTRTU avec l'histoire de votre vie, c'est déjà exceptionnel. Ah, on a un petit mot et qu'on va lire. Je vais te laisser lire. Ça a été fait le 14 juillet 2007, donc il y a pas longtemps. Ah, c'est en anglais. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais le colis. Il vient directement des USA. New York. C'est un abonné qui est exceptionnel, qui commente nos vidéos. My dear Sandar and Saran. Ma biche Sandar et Saran, bien sûr. Alors cette personne est bilingue, c'est pour ça qu'elle regarde nos vidéos. Make a video of the opening. Ne faites surtout pas de vidéo sur cette ouverture. Open and everything first. Faut que tout ouvrir avant. Once it's open, read the next page. Ah, faut qu'on ouvre tout et qu'on lise la page d'avant. On ne lit plus. On a énormément de trucs genre ça. Oh. Je viens de voir quelque chose. Il a un peu pété un câble. Je viens de voir un truc. Là, tu es complètement cinglé. Il m'a parlé d'une Nintendo 64 américaine qui était orange translucide. Voici une manette. Alors, je sais que ça lui appartenait. C'est adorable. C'est une de mes consoles préférées. T'as une 64, une console emblématique chez Nintendo. En plus, elle est en super état, la manette. Et là, on a la bête. Oh, elle est trop belle. Magnifique. Et tu te rends pas compte pour la collection ce que c'est pour nous. Oh, la vache, elle est géniale. Ah, c'est un truc de ouf. Alors, c'est bien USA, hein. C'est un modèle des USA. Elle est nickel. Hallucinant, quoi. J'avais déjà deux N64. Et là, par contre, non mais c'est, tu nous as tué là. Là, tu nous as clairement tué. Là. Tu nous as clairement tué. Donc on a les câbles. Donc on a le bloc d'alimentation juste ici. Le câble télévision RCA. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette N64 orange est très difficile à trouver en France en tout cas. Donc très content. Elle est trop belle en plus. C'est un superbe cadeau. Vraiment. Oh, merci beaucoup. Merci. Mais c'est beaucoup trop. Donc on a encore des machins, des trucs qui volent de partout. Oh. On a un espèce de truc comme ça. Non, c'est pas ça. Regarde, Sandar, on a ça ici. Oh non. C'est des jeux. Ah, c'est des jeux. Oh. Non mais oh my god. Oh my god, je parle américain pour le coup. Mais what? C'est les banjos et Kazooie en plus quoi. En boîte. Attends. Non mais c'est pas possible. Il est complètement cinglé. Mais complètement. Putain, il y a les cales dedans et les notices. Oh. Tu te rends pas compte de la valeur de ce que tu nous envoies. En N64, je n'avais aucun Banjo et Kazooie, même en loose. Et là, je les ai en complet. Mais what? Rare, c'est des éditeurs extraordinaires. Là, on a quand même le Banjo et Kazooie et le Banjo et Tooie. Je sais pas quoi te dire. C'est on est sur pour le cul. Pour te dire, hein, on a une grosse collection de jeux vidéo, quand même, on peut le dire. Et je n'ai que 3 jeux en boîte. J'ai un Secret of Mana, par exemple, et du Zelda et compagnie. Mais là, je ne sais plus quoi te dire. Des petits trucs comme ça, des trucs comme ça. Ça a tombé dans mon café, ça, je le sens. Des trucs comme ça, des trucs comme ça, comme ça. Et là, on a autre chose. Alors là, on a un beau papier. Est-ce que tu veux le déballer? En même temps, c'est moi qui déballe tout depuis tout à l'heure, ouais, ça ne se fait pas. Ça. Non mais j'avoue, tu nous fais extrêmement plaisir, sache-le. Oh là là, me dis pas que c'est un guide. Oh. Mais si, c'est le guide. Mais en fait, c'est de mieux en mieux. Tu te rends pas compte de ce que c'est pour moi. Je suis un collectionneur de guides, et là tu viens de me sortir le guide de l'époque de Banjo et Tooie américain. Mais énorme. C'est un truc de fou. Il est en parfait état, pareil. Mais c'est un truc de malade. Waouh. Les gens, si vous nous envoyez des trucs, nous envoyez pas ça, on saura pas quoi faire en retour. Ouais, je pense que là c'est le... Je sais pas quoi faire du coup là. Ça, c'est limite gênant. À part dire merci.
genre 1000 fois. On peut tromper 1000 fois 1000 personnes, mais on peut pas dire 1000 fois 1000 personnes à 1000 merci. Ça va en vitrine, les jeux vont en vitrine, la console va en vitrine. Il y aura une vitrine rien que pour l'univers Banjo-Kazooie, ouais. Je te le dis d'avance. C'est une licence de jeu extrêmement culte et que j'aime extrêmement. On va continuer. Il y a une sacoche de Mac. Et je crois que c'est le dernier truc, et tant mieux. Et c'est un Mac. Et là, il y a encore plein de trucs qui peuvent tomber. Allez, c'est la fête. Des bulles. Mais c'est quoi le délire? Ok. Oh! Ah, ça va faire plaisir à quelqu'un. Oh yes! C'est trop beau! En fait, là, tu nous as rincé, quoi. Là, tu. Moi, je suis le plus heureux du monde, et elle, là, c'est la plus heureuse du monde, quoi. Oui, il est magnifique, je l'avais jamais vu. C'est français ou pas? Oui! Waouh! Bon, pour tout vous dire, la personne qui nous a envoyé le colis, elle m'a envoyé ça en photo en me disant: est-ce que Sandar a ça? Est-ce que ça peut l'intéresser? Il a l'air vraiment beau. Bah, déjà, les. La qualité des photos, quoi. Alors, faut savoir voilà que Sandar est une grande fan de Michael Jackson. Elle a une belle collection déjà hein, d'items. Ouais. Vous l'avez vu dans un vide-grenier, on avait trouvé un collector. Et c'est quoi ça? Ah, c'est l'affiche! Wow. Hey, this is a Jackson 5. Ah, c'est cool! Waouh, je suis trop fière d'abîmer. Waouh! Ah, c'est un génial. Putain de beau livre pour les collectionneurs comme ça, Sandar. Clair. Très belle pièce pour la collection. Alors, ça intéresse beaucoup Mego, faut le savoir. Ouais. Tout ce qui est papier, tout ce qui va être carton. Et là, j'ai le testament de Michael Jackson. Ah, c'est carrément cool ça! C'est pas un original, hein. Je vous rassure. C'est pas le testament original. Parce que là, on serait dans un truc de fou. Mais c'est rien que d'avoir une reproduction du testament, quoi. Bon, alors, on va peut-être arrêter parce que Sandar, quand elle est partie sur le bouquin, on est foutu. Superbe objet. Vraiment, c'est... Ouais, c'est magnifique. Merci beaucoup. Les jeux, déjà, c'était extraordinaire. Ah non, c'est clair. Et ça, c'est extraordinaire pour moi. Donc là, on a une place du Jackson Victory Tour de 1984. C'est vachement cool, les reproductions de places à la taille réelle. Sachant que j'avais des places, moi, de concert de Michael Jackson que j'ai perdu. Salut, voilà. Pour le Bad Tour à Paris. Bon, et bien, écoutez, je crois qu'il faut qu'on lise la lettre. Et on a bien fait effectivement de faire un épisode spécial pour ce colis. Only after you open, donc c'est bon, on a ouvert. After seeing your videos every week, après avoir vu vos vidéos toutes les semaines, ça on avait remarqué. Tu nous commandes toutes les vidéos, c'est adorable, vraiment. I've decided that both the game console and the book should end up in your collection. J'ai décidé un peu que ces objets, donc cette console, ces jeux là et ce livre, seraient bien dans votre collection, un truc comme ça. C'est adorable, merci beaucoup. Sarah, donc c'est pour toi. I received the console and games in the late 90s as a birthday gift from my ex-boyfriend. Tu as reçu cette console dans la fin des années 90 pour ton anniversaire par ton ex-petite amie. Tu m'offres un truc qui t'appartenait. C'est encore plus beau. C'est encore plus agréable pour moi que de le choper en vide-grenier ou que de l'acheter. Je sais à qui ça a appartenu, tu vois, ça a une histoire et je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment. J'adore Banjo-Kazooie et Tui. Adobe. I've done the games all the way to the end many times. Donc tu as fait le jeu plusieurs fois en entier jusqu'à la fin. Et bah moi aussi je vais le faire. Ça va être vraiment cool. In any case, it makes me more sense for you to have it and perhaps make a video let's play of the games. Eh ben écoute mon gars, avant que tu le dises, j'y ai pensé. Il y aura sûrement un let's play de Banjo et Kazooie. Est-ce que je vais réussir à le faire sur N64? J'en sais rien, mais sinon ce sera sur émulateur, peut-être. Si je peux le faire avec la vraie manette sur la vraie console, ce sera encore mieux, mais avec plaisir, parce que ça c'est du jeu extraordinaire. Ouais. The system is an American system and therefore is on 110 volts, not 212 volts. Donc il me précise bien que la console est faite pour aller sur le 110 volts américain et pas sur le 220, parce qu'effectivement c'est le double, donc ça crame les objets. If you plug it, you might blow it up. Sûrement que je vais pas la plug it dans le blow it up. And the French system to adapt it makes sense. Eh ben écoute, je l'ai le French system, donc c'est parfait. Je vais pouvoir mettre mon transfo effectivement français sur cette console. Sandar, MJ was the first concert I attended when I was 15. It was the Bad Tower and I saw it in Lausanne. It was magical and crazy. This book is a great book and I never opened the inside pockets. Et ben, je viens juste de le faire. Il a vu Michael Jackson, c'était son premier concert, et il l'a vu quand il avait 15 ans et c'était le Bad Tour, donc c'est pour vous dire à quel point il est vieux. Du coup il l'a vu en Lausanne et c'était magique et fou. Ça devait être tellement beau. Je connais pas mal de gens qui l'ont vu au Bad Tour en plus. C'est bien parce que c'était, il avait une énergie de fou. I'm bad, I'm really really bad. J'ai une maman d'une copine qui avait été le voir justement aussi pendant le Bad Tour, mais qui s'était évanouie, donc elle n'avait rien vu du concert. Oh Michael Jackson! Hope you like everything. J'espère que vous allez tout aimer. Much love, ça va. Much love, ça veut dire je vous déteste. Ouais. Alors oui, parce qu'on vous l'a pas dit, parce qu'on attendait qu'il signe. Hein. Ouais. C'est Saba. Alors c'est un abonné que vous voyez souvent commenter les vidéos sous le pseudonyme Cloudy Sky Films. Qui est sa chaîne YouTube, parce qu'il a une chaîne YouTube, ce cher Saba. C'est un peu comme ça aussi qu'on l'a rencontré.
et via les vidéos. Ce cher Saba, j'ai tourné un court-métrage avec lui en France. C'est un mec extraordinaire. On dit pas ça parce qu'il nous a envoyé des cadeaux, c'est vraiment un mec extraordinaire. Ouais. Français exilé aux États-Unis, qui bosse aux États-Unis du coup, qui est comédien et qui est réalisateur. Il a réalisé par exemple là, avec son label Sam the Vamp, un film sur un vampire, hein, forcément, d'où le nom. Sa chaîne Claudie Sky Film, il fait beaucoup de covers de musique, dont la dernière qu'il a fait sur Coco Caline, nouvelle chanson de Julien Doré, qu'il a traduite en anglaise et qu'il a refait le clip. Elle est vraiment excellente cette vidéo. Elle est tellement bien que Julien Doré l'a partagée quoi. Et qui partage notre passion aussi un petit peu, qui est venu ici, qui a vu notre collection et il a trouvé ça génial. Et du coup, il nous a envoyé des magnifiques pièces pour la collection et merci, merci encore. C'est adorable, vraiment. En plus, de recevoir un colis comme ça des États-Unis en anglais, comme ça, ça a fait le petit côté pour nous exotique, c'est génial. Comme ça, un rêve pour nous d'aller aux États-Unis, on réussira à y aller pour venir te voir, ce serait vraiment cool. Quoi de mieux que toi là et ton magnifique colis pour ouvrir cette nouvelle série sur la chaîne YouTube. Ne vous sentez pas obligé de nous envoyer le même genre de truc, je vous jure, une lettre, ce serait déjà adorable, avec une photo de vous, comme on vous l'a déjà dit, pour notre mur des abonnés où on met des photos de vous. On a déjà Zerta Ertus, c'est le début, c'est trop cool. Merci à vous tous qui nous avez déjà envoyé des courriers là, qui sont en train de partir. Merci pour vos messages sur le Facebook, on a atteint les 100 j'aime, c'est vraiment cool. On est à plus de 850 abonnés sur la chaîne, c'est génial, ça veut dire qu'on va bientôt atteindre les 1000, on est bien parti. Gros bisous, merci encore pour votre soutien. Ce genre de vidéo, c'est aussi pour vous remercier, lire vos messages et parler de vous en vidéo. N'hésitez pas à laisser votre petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. On espère que ça vous donnera envie de nous envoyer des petites lettres. Oui. Pas des gros colis, hein. Non. On va pas abuser. On commence fort, mais faut pas croire qu'on exige ça. Et bien sûr, abonnez-vous si vous arrivez ici, que vous ne l'êtes pas. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire déjà pour dire que Saba est une personne extraordinaire. Oui. Mettez-lui un maximum de messages d'amour parce que franchement, là, ça a été adorable ce qu'il a fait. C'est clair. Si vous avez des messages à nous faire passer, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On les lira du coup dans la prochaine vidéo de ce même type. Merci encore à vous et à tout à l'heure pour ma vidéo de pop. Yes. Mouah.